Unité 5. Le monde des océans et de l'espace. Avec un océanographe. Semaines 23 et 24. Pour préparer le projet de classe, un groupe d'élèves de la classe de 5e AOP de l'école Albusten ont posé des questions à un océanographe sur des phénomènes naturels. Nabil, s'il vous plaît, expliquez-nous la fonte des glaces. Responsable, la fonte des glaces est un phénomène naturel. La glace fond sous le soleil, mais le problème se pose avec le réchauffement climatique et son influence sur l'ensemble des glaces de la Terre. Surtout, la banquise dans les régions très froides du globe. Neda. Et c'est quoi le réchauffement climatique, s'il vous plaît? Responsable, cela veut dire que le soleil réchauffe la Terre. C'est donc un phénomène tout à fait naturel. Aminatou. Mais où est le problème alors? Responsable, c'est l'augmentation excessive, anormale de la chaleur à cause surtout des énergies utilisées par les êtres humains, dans l'industrie. Le charbon, le pétrole, le gaz. Mounir. Et la fonte des glaces alors? Le responsable, vous devez savoir que sous l'effet de la chaleur, la banquise se brise, les neiges des montagnes fondent, le niveau des océans augmente. Et tout? Y a-t-il des conséquences à tout cela? Le responsable, les conséquences sont nombreuses. Perte des habitats pour l'homme et pour l'animal. Inondation. Tsunami. Bref, c'est le dérèglement climatique. Tous les élèves, merci monsieur pour ces explications.